السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناه ام يقين غديزة، مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله الفرد رقم 2 للسنه الثانيه متوسط، دوزيام اني موين لو كونت القصه. دونك ماذا بكم تفاعلوا معنا، قولوا النجم باش الفيديو ينتشر اكثر وحنا نحط لكم اكثر. دونك ابقوا معايا نقرا لكم لو تيكست. قبل ما نقرا لو تيكست، الرابط لقاوه في صندوق الوصف باش تحملوا الموضوع وتحلوه وحدكم. نبداو. ماليك اي فليش. Il était une fois dans un pays lointain un jeune paysan qui s'appelait Malik. Il n'était pas riche, mais il était heureux. Heureux de travailler en plein air, heureux de manger chaque jour à sa faim. Heureux car il allait se marier avec Mina. Mina était la plus jolie, la plus gentille, la plus douce de toutes les filles de la région. Un jour, à son retour des champs, Malik trouva devant sa maison la mère de Mina qui pleurait. Le jeune homme s'approcha et demanda « Que se passe-t-il ? » « Mina a été enlevée par Nestor, l'ogre, » répondit la vieille femme entre deux sanglots. Il l'a emportée en disant qu'il la mangera demain soir. Malik n'hésita pas, il prépara un baluchon, puis siffla trois fois pour appeler son aigle Flèche, qui se posa sur son épaule. Le jeune homme le caressa avant de partir en courant pour délivrer sa belle Mina. Arrivé au bord d'une rivière, Malik aperçut au milieu du courant un vieil homme qui se noyait. Il plongea, attrapa le vieillard et le ramena sur la berge. Pour le récompenser, le vieil homme, qui n'était autre que le magicien Malidor, lui donna une potion magique qui fait rétrécir et un bonbon qui rend la taille normale. Là, c'est un conte. Elle est belle, chouïa toi, mais c'est pas grave. باش نتعلموا نقراو اكثر. هذا القراءه مهم اكثر. Très bien. Maintenant, on va lire les questions. Alors, les éléments du conte, coche et complète. Dans ce texte, l'auteur explique, prescrit ou raconte. L'auteur fait le texte, il explique ou la prescrit ou la raconte. Là, je choisis la bonne réponse, je coche la bonne réponse. Ndir alamat fi fil jawab sahih. Quand se déroule cette histoire? Dans le passé, dans le présent, dans le futur? C recopie la formule qui ouvre le conte. D relève les personnages cités dans la situation initiale. Attention, galak la situation initiale. 2. Pourquoi Malik était-il le plus heureux des jeunes hommes au début de l'histoire? Hein? Au début de l'histoire, ça veut dire la situation initiale. 3. Vrai ou faux? Je réponds vrai ou faux. Sahiha ou khata. Mina a été enlevée par une méchante sorcière pour la manger. Malik se prépara et alla avec son aigle flèche pour délivrer Mina. En passant près d'une rivière, Malik aperçut un jeune homme qui se noyait. Le magicien Malidor offre une potion magique à Malik pour le récompenser. Alors, نشوف صحيح ولا خطأ. طبعا نشوف الخطأ وراه ولا نشوف الجملة في التكست. إلى صحيح نكتب vrai. إلى لقيت خطأ ولا كلمة مغايرة يعني عكس تاعها ولا ندير faux. 3. Relie ce qui va ensemble. Anna Malik, Mina, Nestor, Malidor, Flèche. Le magicien, l'aigle, le jeune homme, la fille, l'ocre. Anna, je relis ce qui va ensemble. Retrouve dans le texte deux mots de la même famille que magie. Magie, les mots de la même famille, kainzouj, fait texte, kharajom. Les mots de la même famille, ça veut dire andom le même radical. Nefsel jidr, magie, nalqah. Très bien. Ou nefsel maudur, tabad. Mets une croix dans la bonne case. La première phrase, Malik aperçut au milieu de la rivière un homme qui se noyait. Est-ce que hedda c'est deux temps?
au milieu de la rivière, c'est ces deux lieux ou c'est ces deux manières. Le jeune homme le caressa avant de partir en courant. Tenin Choufouine, l'ogre l'a emporté en disant qu'il la mangera demain soir. Est-ce que c'est un cessez de temps, demain soir, cessez elle ou cessez de manière? 6. Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Malik travaillait en plein air et il mangeait chaque jour à sa faim. Donc travailler, manger, ndirhom, à l'imparfait. Complète au féminin. Malik était fort et courageux, il n'avait peur de rien. Malik et Mina étaient fort weshtouli et courageux weshtouli, elle n'avait peur de rien. Très bien. Maintenant, la situation d'intégration, la production écrite. Elle rédige une autre situation initiale pour ce conte. Le conte, c'est ce qu'on a dit. Elle a dit une situation initiale. Situation initiale, c'est la fakra l'oula l'oula. En t'aidant du tableau suivant. Organise ton texte avec un titre et un paragraphe. Utilise l'imparfait de l'indicatif et des expansions du nom. Alors, Mina, une jeune fille, il y a bien longtemps, dans un village, vivre, habiter, être, s'appeler, aider. Behedo, n'aoud n'khdem, une situation initiale. Donc, bqaou ma'ana, bech tchoufou l'hal ma'a Oumiyaki. Alors, j'espère que rakoum chouftou le rabit ou rakoum hammeltou le maudou. D'accord? Donc, hana anna qissa. Le titre taha li huwa Malik et Flèche. Malik huwa le jeune homme, Flèche heda, nisr ta'ah, l'aigle ta'ah. D'accord? Le qissa tahdra ala un jeune homme. شاب اللي كان حاب يتزوج مع اون في اللي سموها مينا وواحد اليوم لوغ جا خطفها باش ياكلها الام قالت له ام مينا خبراتو راح عيط للاكل تاعو وراح في الطريق في لا ريفيير صاب راجل كبير يغرق في لا ريفيير دونك سلكه من سلكه عطاه اون بوسيون ماجيك باش يسلك مينا نبداو نشوفوا لي ريبونس تاعنا قالك دون سو تيكست لوتور هو الكاتب اسكي ليكسبليك يشرح prescrit, ça veut dire qu'il y a un nasiha ou la amar ou la d'accord ou la y'a un wasfa ou la texte prescriptif ou là il raconte yahki là il raconte conte li hiya qissa raconte ou le fi'l yahki donc je coche raconte. Est-ce que l'histoire se déroule dans le passé, dans le présent, dans le futur? Il était une fois ou le qissa tender daiman dans le passé. Donc, je coche dans le passé. Recopie la formule qui ouvre le compte. Soit il goulak la formule qui ouvre le compte, ou il goulak la formule d'ouverture. Lihia, il était une fois. Hiya, il ne fait trop biha al-qissa. Nkutbu, il était une fois. Très bien. Ensuite, galak relève les personnages cités dans la situation initiale. La situation initiale تاعي تبدا من il était حتى région parce que un jour تبدا الفقره الثانيه اللي هي déroulement des événements. هنا les personnages c'est juste Malik, le jeune paysan Malik et Mina. Donc نكتب le jeune paysan Malik ou là نكتب Malik et Mina. C'est tout. Voilà. Gelek, pourquoi Malik était le plus heureux des jeunes hommes au début de l'histoire? Ah, Anna Bzef, heureux. Il était heureux. Heureux de travailler en plein air. Kan yakhdem fil hawa attar, kan farhan. Heureux de manger chaque jour à sa faim. Kan yakul hatta yishba' kul youm. Heureux car il allait se marier avec Mina. D'accord? Donc, Anna, heureux parce qu'il travaillait. Dir hna. Heureux. Parce qu'il travaillait en plein air Wankamlo hatta il allait se marier avec Mina. D'accord? Voilà. Hedou, mais heureux parce qu'il travaillait en plein air, parce qu'il mangeait tous les jours, chaque jour à sa fin. Mbad, parce qu'il est heureux, car il allait se marier avec Mina. Donc, n'habsou hatta avec Mina. Bien sûr, on tout met la réponse, Kemla. Très bien. N'rochou,
Le vrai ou faux? Sahiha ou khata? Mina a été enlevée par une méchante sorcière pour la manger. Hna, c'est faux. Khata, parce que hier, elle a été enlevée par Nestor, l'ogre. L'ogre où elle roule. Où la sorcière, y est Sahira. Donc, hna, c'est faux. Malik se prépara à aller avec son aigle-flèche pour délivrer Mina. Ça, c'est vrai. Il siffla, elle qui siffla à son aigle-flèche. Ouja sur son épaule, d'accord? Au rahoubesh, c'est le coup, Mina. En passant près d'une rivière, Malik aperçut un jeune homme qui se noyait. Non, Malik, il aperçut au milieu du courant un vieil homme, Cheikh Kbir. Wahna dirina un jeune homme. Donc là, c'est faux. Khata. Le magicien Malidor offre une potion magique à Malik pour le récompenser. Ça, c'est vrai. Le magicien lui donna une potion magique. Lui donna. Lui offre. Offrir. Ou la donner, c'est la même chose. C'est des synonymes. Très bien. Hna relit ce qui va ensemble. Malik, c'est le jeune homme. Mina, c'est la fille. Bint. Nestor, c'est l'ogre, le roule. Malidor, c'est le magicien, l'itlaqa, f'nahr bariyagraq. Ou flèche, ou nisr, l'aigle. Très bien. Retrouve les deux mots de la même famille que magie. Alors, magicien, magique. Magicien, magique. Voilà, donc on va écrire magicien et magique. Les deux mots de la même famille. Alors, Malik aperçut au milieu de la rivière. Donc, c'est un CC de lieu. Meken. Au milieu. Indicateur de lieu. D'accord? Le jeune homme le caressa avant de partir en courant. Kif le jeune homme en courant. Kif, comment? Donc, c'est un CC de manière. L'ogre l'a emporté en disant qu'il la mangera demain soir. Raden fil-leil, elle dit demain soir, c'est un temps zemen. Très bien. Écrit à l'imparfait. Malik travailler. Elle travailler se termine par er. Donc, j'écris le radical, el-jidr. Malik ou il, l'imparfait na, a-i-t. L'imparfait ou a-i-s, a-i-s, a-i-t. I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Sauf les verbes du deuxième groupe, ndilom I-2-S. I-2-S, A-I-S, I-2-S, A-I-S, I-2-S, A-I-T, I-2-S, I-O-N-S, I-2-S, I-E-Z, I-2-S, A-I-E-N-T. A, la dérouli, manger. Alors, wesh ndir? N'hdef had l'ER ou n'ktib le radical. Il, wesh ghadi djini A-I-T. Bistah loukan n'ktib moubacharat A-I-T, youli l'fil manger. Wana andi manger. Donc, je laisse le E et j'écris A-I-T. Très bien. Le cas un des C qui m'a lancé, un des C, c'est dit. Hadou derna hum fadas ou shrachtum l'kum bien comme il faut. Madame, il faut que le maqta al-li hatayta. Écrit au féminin. Malik était fort et courageux, il n'avait peur de rien. Malik était Mina, c'est féminin. Donc, fort au féminin, forte, courageux, se termine par E-E-X. Courageuse. Courageuse. Mina était forte et courageuse. Elle n'avait peur de rien. Très bien. Comme maintenant, la compréhension de l'écrit, la production écrite. La production écrite, Galuna, vous réécrivez la situation initiale ou dire un titre. Donc, titre de Mina, parce que Radin Hadra, elle est Mina, d'accord? Donc, nous devons démêler le Zemen. La formule d'ouverture, elle est Zemen. Il y a bien longtemps. Majuscule, mais tu sais, je te dis en majuscule. On dit facela, mais ne ktibch mubasharatan. Facela, virgule. Une jeune fille qui s'appelait. Hna, mais ne sais, les verbes, ça reprend fille. L'imparfait. L'imparfait, mais dis E, on dit A-I-T. Mina. Mina, c'est un nom propre, dites majuscule. Point. غادي نعاود نبدا جمله واحده اخرى لازم ندير ماجوسكول دونك مينا ال ما نضليش نكتب اون جون في ال Le verbe vivre ou la habiter, kif kif, teskun. Donc, d'être vivé, A-I-T, l'imparfait, dans un village. Cette fille, je m'en une jeune fille ou la elle, d'être cette fille, aimée, l'imparfait,
ايدي لي زوتر ايدي قعدت بالاو ار باسكو عندنا فعلين متتاليين الفعل الثاني يبقى دائما في الانفينيتيف دو فيرب كي سو سويف لو دوزيام سو مي ا الانفينيتيف دونك ايمي ايدي لي زوتر نعاود Mina, il y a bien longtemps, une jeune fille qui s'appelait Mina, elle vivait dans un village. Cette fille aimait aider les autres. Très bien. Donc, on s'en a mis à le mot. Il y a du commentaire, likez, partagez, abonnez. Il y a la vidéo bzef ou fidalf wedjiz, yani fi wakt qlil. Je vous remercie. Ok, je vous adore.